Bonjour et bienvenue pour notre nouvelle survie du week-end. Ah, donc nous sommes de retour à l'aéroport. Donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Bien sûr, comme d'habitude, je vous montre un peu des petites portions, en fait, parce que quand même pas mal de jours sont passés. Et on a pas mal de choses sur nous. Donc on a maintenant le manteau en peau d'ours. Ça m'a pris 30 heures pour le faire, c'était un peu chiant. Et on a la sacoche en peau d'élan aussi, et on est bien nourri parce qu'on avait plein de nourriture, hein, comme si vous vous rappelez. Et on est à 40 kg, donc on peut transporter 40 kg. Donc on a une tempête à l'extérieur, donc je vais essayer de pas trop crier, parce que la plupart du temps j'ai l'habitude de crier quand il y a une tempête. Et je vais vous expliquer ce que j'ai fait, vite fait, et vous parler un peu de la zone que je déteste officiellement, je la déteste. Mais un truc assez intéressant, c'est que cette zone, on va dire que je suis à 99% sûr que la zone doit être découpée, la région doit être découpée par rapport au temps. Parce que quand on était en fait à la maisonnette de Lille, donc du coup j'ai passé, je sais pas, 5-6 jours, un truc comme ça, dans le jeu, je pense, dedans. Et je me suis un peu baladé autour, j'ai même trouvé une grotte ici, il y avait pas vraiment grand chose. J'ai trouvé aussi la grotte avec le cadavre, je l'ai aussi trouvé tout ça, mais il y avait strictement rien. Honnêtement, il y a beau, c'est super grand, cette zone elle est méga grande, c'est potentiellement peut-être une des plus grandes zones, des plus grandes régions qui existent, mais honnêtement il n'y a pas grand chose à voir. Il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Je sais qu'à un endroit par là, il y a un avion qui s'est écrasé. Je crois que c'est... Non, attendez, si on était là, c'est plutôt là. Mais du coup, je n'y suis pas allé parce que c'était loin. On va peut-être y aller, je sais pas. On va voir ce qu'on va faire de toute façon dans cet épisode. Mais il n'y a pas grand chose. En fait, j'ai rien vraiment de récupéré de très très intéressant. Mais en tout cas, voilà, je pense que la région doit être découpée à l'intérieur parce que ici il faisait plus froid que à l'aéroport, je trouvais. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu étrange que normalement une région entière a toujours le même temps, en fait, peu importe où on se trouve dans la région. Et là, je dois avouer que la maisonnette, c'était pas fun. C'était beaucoup du froid, du très gros froid. Alors que depuis que je suis arrivé de retour à l'aéroport, ça se passe un peu mieux. Et bien sûr, ça c'était avant que je crafte en fait le manteau en peau d'ours et tout ça. Donc voilà. Donc il y a ça. Je suis tombé, j'ai cassé mon arc. J'ai cassé mon arc aussi, à force de tuer des loups, parce qu'il y en a plein honnêtement. Ils se prennent toutes des flèches dans la tête. Il me restait plus que deux flèches à un moment. J'ai cassé mon arc, donc pendant plusieurs jours j'ai dû vivre sans arc, c'est un peu relou. Mais j'en ai crafté deux. Donc on en a un à 100% qui est par terre, et sur nous on en a un autre qui est à 99%. Pourquoi ? Parce que vu que j'ai fait beaucoup de flèches, j'ai refait mes flèches, vu qu'on avait trouvé des bois. Et du coup, le tir à l'arc est monté au niveau 4, et au niveau 4 on a dégradation de l'état de l'arc à chaque utilisation, moins 50%. Donc comme j'avais parlé, ça c'est vraiment très 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 utile. Du coup, une flèche, un tiers de flèche, c'est 1%, donc on peut tirer 100 flèches, voilà, avec un seul arc, c'est magnifique. Et après on a, je crois que c'est le temps pour les proies qui se vident de leur sang, moins 25%, je crois que c'est ça, donc elles se vident plus vite en fait, de leur sang. Donc ça c'est intéressant. Et voilà, et le prochain niveau, le niveau 5 si je me rappelle bien, c'est on peut tirer quand on est accroupi, donc ça c'est vraiment cool. La cuisine, on est toujours niveau 4, on avance, hein, c'est un peu long, hein, comme j'ai dit. L'allumage de feu, on est toujours niveau 3 parce que j'ai pas vraiment fait beaucoup de feu. On a 11 flèches, 12 flèches exactement, une qui est un peu abîmée, on a quelques fûts de flèches, 8. Je vais faire un peu le choix de ce qu'on va faire en fait. Est-ce qu'on part maintenant? Est-ce qu'on se balade encore un tout petit peu? Je sais pas trop. Honnêtement, on a une belle tempête en ce moment. Du coup, c'est chiant. On a une belle tempête, il fait presque nuit. En plus, mon perso n'est pas vraiment très fatigué parce que j'ai fait que crafter et tout ça et rester un peu à l'endroit même. Hein, du coup, j'ai pas fait grand chose. On commence à plus avoir de nourriture et plus d'eau aussi. On commence à plus vraiment avoir d'eau. Il me reste plus que ça, je crois. Je crois qu'il faut que j'en fasse à tout prix. Et pour la nourriture, je crois qu'on a plus de viande de côté non plus. Donc ça, c'est... Ben, je vais être honnête, c'est un peu la merde. Donc il faudrait en fait couper du bois pour refaire du feu et refaire des choses en fait, tout simplement. Alors après, on n'est pas obligé de rester en positif avec
Les calories, parce que maintenant on a le sac, donc on est à 35 kg de base. Donc ça c'est bien. On va casser un peu des trucs. Mais voilà. Après, j'ai envie de dire honnêtement, ça a été extrêmement long pour moi. Et je suis assez content de ne pas vous l'avoir montré, parce que c'est vraiment... c'est vraiment passer du temps, juste pour passer du temps. Hein, parce que sinon, on va pas se trimballer avec... genre par exemple, toutes les peaux et tout ça à sécher. Les peaux, elles étaient super lourdes. Hein. Il y en avait une qui était à 5 kg, l'autre à 1 kg. Et après, j'ai ramené plein de peaux aussi de... comment ça s'appelle, de loup et tout ça, donc c'était extrêmement lourd tout ça en fait, donc c'est pas vraiment très très intéressant. Le retour a été un peu chiant parce que je marchais extrêmement lentement et du coup c'était un peu problématique, mais bon, on a perdu un peu de vie, mais j'ai tout récupéré depuis, donc ça c'est bien. Faut que je regarde vraiment si j'ai vraiment plus aucune nourriture, en fait, plus aucun steak à l'extérieur. Mais je crois bien, je crois qu'on est à court. Donc après, on peut toujours manger des massettes, on en a beaucoup. Mais bon. Après, j'ai vu... vous vous rappelez, on avait eu plein d'aurores boréales quand on était à la maisonnette. Et on voyait tout l'aéroport allumé. Alors là, j'ai eu une seule aurore boréale depuis que je suis de retour ici. Honnêtement, c'est pas le top. Mais il n'y avait pas vraiment grand chose d'intéressant. Et en plus, c'était pendant que... Oula, ça a lagué. C'était pendant que je craftais. Donc du coup, j'en ai pas vraiment profité. Ouais, non, il n'y a vraiment plus rien. Il n'y a plus de nourriture, en fait. J'avoue que c'est un peu la merde. Il n'y a vraiment plus de nourriture. Et on est à combien de degrés? 19. Ah, ça va, 19, ça va. Je pense que si on se protège du vent, on devrait pouvoir vraiment baisser ça. 8, pas mal, pas mal. J'avoue que depuis que j'ai fait le manteau en peau d'ours, ça c'est vraiment cool. Vraiment sympathique. On rentre. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était très long et pas intéressant du tout, je vais être honnête. Hein. Et dans un sens, je me disais, tous les gens là qui font genre... ouais, j'ai survécu 1000 jours et tout ça. Je sais pas comment ils font, Les gens qui jouent 1000 jours dans ce jeu. Enfin, nous, au bout d'un moment, quand on fait toutes les régions, on en a marre. Il n'y a plus rien à faire, on est d'accord. Il n'y a plus rien à faire, on tourne en rond. Donc voilà. Mais déjà, ça prend du temps. Alors, les gens qui survivent 1000 jours et tout ça, qui font genre 30 jours et c'est toujours la même chose dans la même région et tout, vous devez avoir des problèmes mentaux. Je pense que vous êtes cinglés. Mais ce qui me fait encore plus peur, c'est que vous êtes encore plus cinglé que moi, en fait. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur. Donc, j'espère qu'on se rencontrera jamais. Mais voilà, c'était vraiment une chose assez intéressante quand j'ai vu que je me faisais tellement chier que j'avais envie d'aller jouer à Pokémon. Et voilà. Donc, voilà, c'était un truc que je voulais partager. Mais ouais, on a fini par faire ce manteau en peau d'ours et le sac, donc je suis très content. Voilà, c'était ma petite histoire, fallait que ça sorte, fallait que j'en parle. Donc on est bientôt la nuit, donc comme j'ai dit, on a un problème pour la nourriture. On a un problème pour l'eau aussi. Intéressant. Donc on a un problème pour l'eau, pour la nourriture, il y a une tempête à l'extérieur, donc on ne peut pas faire du feu. Bon, on peut pas faire du feu à l'extérieur, en tout cas. Ça, c'est le truc, c'est qu'on peut pas faire du feu à l'extérieur. On peut faire du feu à l'intérieur, par contre. On peut aller en faire. Ça peut être une solution. En tout cas. Pour partir, je pense qu'on va... peut-être faire un peu plus de fûts de flèches, genre une dizaine. On va rentrer avec une dizaine de fûts. Je sais toujours pas si... De toute façon, on va devoir manger. Je sais pas si on va partir, en fait, avec... le bonus des 40 kilos. J'en sais rien. En fait, faudrait partir avec des choses assez intéressantes. Mais on n'a pas trouvé des choses très, très intéressantes ici, je vais être honnête. Alors, on a des pots. Oui, on a des pots de cerf, par exemple. Mais bon, le cerf, ça va. On n'a pas vraiment besoin de
recoudre nos trucs. Donc on a quoi? On a ça, c'est à 92%, ça c'est à 91%, donc c'est pas très grave. Après j'ai recousu nos moufles et la chapka, donc encore une fois c'est toujours à 90+. Donc on est bien. Le manteau en peau de loup, bah, il tient très bien, donc il est à 95%. La peau d'ours, donc je viens de la faire, elle est à 100%. La sacoche, elle est toujours à 100%, parce que je viens de la faire aussi. Tout le reste, je viens de le recoudre aussi. Il n'y a que, à la limite, le bonnet. Mais bon, c'est juste le bonnet avec du tissu, c'est pas vraiment très important. Donc je pense que les peaux, on n'en a pas vraiment besoin. Alors par contre, tout ce qui est plumes, ça on va les prendre, parce que les plumes, c'est chiant à récupérer, honnêtement. Voilà. C'est chiant à récupérer, donc ça, oui. On va prendre le bois, tiens. Peut-être un ou deux charbons aussi. Donc on a des boyaux séchés, tout ça. On a encore un jeune érable pour faire un arc. Mais si je crois bien, on en avait déjà de l'érable à notre lieu. Ah oui, du coup, je peux pas changer de zone. Ça, c'est bête, je peux pas changer de carte, en fait. Ouais, c'est bête. Donc bref. À la rivière... Charmante, non, c'est quoi? Non, la rivière calme, la rivière charmante. Comment ça s'appelle? Mystery Lake. Le lac mystère. Ça avait strictement rien à voir avec ce que je disais. Donc c'est le lac c'est le lac mystère. Oui, mon cerveau va bien, tout va bien. J'ai pas de problème. Donc le lac mystère. Je crois qu'on avait déjà des bois pour faire des arcs. Donc on devrait pouvoir en créer quand on est là-bas. Donc ça va. Après, on a beaucoup de jeunes bouleaux. Donc comme j'ai dit, on va rentrer avec une dizaine de fûts de flèche. Je pense pas qu'on en ait besoin. Après, c'est combien de bois? C'est 0,20. C'est 0,20 pour un bois. Il faudrait les transformer en fûts, pardon. Si jamais on veut les rapatrier, les trucs, en fait. On peut. Après, il y a aussi une chose que j'étais en train de penser. Alors, je sais que ça devient un peu sombre, hein, c'est parce que c'est la nuit, désolé. On a beaucoup de tissu, mais honnêtement, le tissu, c'est pas vraiment un gros problème. Les fourrures en de loup, on s'en fout. L'arc, on va le laisser là, celui-là. Alors, après, on a un jerrycan, il a encore 3 litres à l'intérieur. Alors, le problème, c'est que c'est 2,55 de kilo, parce qu'il y a beaucoup de kérosène dedans. Donc du coup je me suis dit, est-ce qu'on le prend ou pas? Je pense qu'on va le prendre et du coup on va laisser la lampe. Alors la lampe je l'ai... Elle est où la lampe? La lampe je l'ai sur moi. Alors la lampe elle est pleine. Je pense que la lampe en fait je vais la laisser ici. Et nous on utilisera donc des torches pour s'éclairer dans les tunnels et tout ça quand on rentrera. Après le pied de biche, on a un pied de biche à 100%, on va l'inverser, donc on va poser celui-là. Très bien. Très bien, on a des bombes de peinture, on s'en fout. Les destructeurs de souches, ça peut être intéressant pour faire des explosifs. Mais je sais pas si on en a vraiment besoin. Comment on fait les bombes? Je me rappelle plus comment on fait les bombes. C'est ça. Alors, balle. Il faut faire de la poudre ou pas? Il n'y a pas... C'est avec quoi qu'il faut faire ça? Il n'y a plus les bombes? Ou alors... Il n'y a plus les bombes. Ou alors c'est juste pas dans le... Dans la liste. Vous savez les bombes avec les canettes là? Enfin les canettes, les conserves plutôt. Elles y sont pas? Bizarre. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc on pourrait peut-être prendre la souche, mais c'est très lourd. Donc ça c'est un peu un problème. Je crois qu'on va aller faire du feu. On va aller faire de l'eau, parce que j'ai plus d'eau. Donc allons faire de l'eau à l'extérieur. À l'intérieur. Je dis tout l'inverse que ce que je veux dire, c'est vache, c'est magnifique. Magnifique. Alors on va faire ça. Ah oui, aussi un truc un peu con, hein, honnêtement, j'en avais parlé là. Donc l'établi ici, il marche très bien quand on est en pleine journée. Hein. Mais du coup, c'est débile parce que... Alors, on va faire comme ça. Ah, du coup, on peut faire qu'un seul. Oh là là, c'est horrible. Tiens, on
coup, on peut mettre qu'un seul truc d'eau à la fois. On peut pas en mettre deux, je crois, ici. Il n'y a qu'un seul emplacement. Ah, c'est débile. Ah non, c'est vraiment un endroit... Honnêtement, je vais être honnête, c'est un endroit de merde. J'aime pas du tout cet endroit. Il est pas pratique du tout, en fait, pour survivre. Il est vraiment pas pratique. C'est un des pires qui peut exister. Ah, là, il fait pire. On voit plus rien du tout, parce que... Voilà. Ah non, c'est une catastrophe, ça. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, je vois rien du tout. Je vois rien. Ah. 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 Ah ouais, non, non, c'est le pire endroit qui peut exister, ça, ici. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Du coup, on fait de l'eau et je vais continuer à parler. Donc ouais, il faudrait qu'on... qu'on ramène des choses, mais au final, on va pas ramener des choses très, très intéressantes, en fait. Très, très nouvelles. Genre, par exemple, j'ai laissé la loupe à la... Une des loupes à la petite maisonnette où on était... je sais qu'on avait trouvé des allumettes, donc on va récupérer des allumettes. Quoi d'autre? Ouais. Ouais, cette aventure était pas extrêmement... Honnêtement, j'ai passé un meilleur moment quand on était à Black Rock et tout ça. Et le Canyon Descent, c'était un de mes moments préférés, le Canyon Descent. Mais cet endroit, pour le moment, est pas vraiment très très intéressant. Du coup, on y reviendra, hein, quand bien sûr il y aura des mises à jour et tout ça, où ils vont rajouter des choses. On va y revenir, mais j'avoue que c'est pas le plus fun. Hein, c'est pas le plus fun. Après, il y a la vue de l'aéroport abandonné, là, qu'on pourrait aller récupérer, aller trouver, en fait. Mais bon, je suis pas sûr que ça soit très très facile d'accès, parce qu'il doit faire froid maintenant. J'ai remarqué aussi que le temps était beaucoup plus difficile, hein, donc ça y est, ça commence. Donc ça devient assez problématique de se déplacer. Mais ouais, je pense qu'on va tout simplement partir. Je crois que la route pour partir, c'est là. Ah, peut-être qu'on peut y aller, là. Je sais pas, faudra voir. On va faire comme ça, tac, tac, tac. Ouais, on va faire ça. Mais ouais, c'est une très très grande zone pour très peu de choses, pour le moment. C'est comme ça que je le résume. C'est une extrêmement grande zone... pour strictement rien dedans. J'ai cru que j'avais bu de l'eau impure. Mais en fait, j'ai tellement parlé que ça a boui. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Donc ouais, je suis un peu déçu. C'est pas très très fun, en fait, cette zone. C'est pas très très fun. Donc j'espère que quand on reviendra, quand ils auront rajouté des choses, ça sera plus intéressant. Après, encore une fois, j'ai eu la... vous savez... l'insomnie, encore je crois deux fois depuis le dernier épisode. J'ai vu aucun symptôme, j'ai rien, je sais pas ce que ça fait, je sais pas du tout. Je suis sûr que des gens me l'ont dit en commentaire, donc j'irai voir, hein. Je suis désolé, j'ai pas regardé, parce que je le fais en avance du coup. Mais ouais, ça m'a strictement rien fait, donc c'était, voilà. Tant mieux, hein. En tout cas tant mieux. Ouais. Après, on a trouvé des nécessaires de couture, donc on va les prendre avec nous. On peut aiguiser un peu des choses le temps qu'on attend que l'eau boue. C'est vrai que ça, on peut faire ça. Eau non potable dans 7 minutes. Ce couteau-là, il met beaucoup de temps. Vous voyez, c'est 12 minutes à chaque fois. C'est 12 à 15 minutes. Donc le couteau normal met beaucoup plus de temps, mais le double, je crois. À être aiguisé, j'ai remarqué ça. Potable, très bien. Si on prend ça par exemple, c'est 7 minutes. Vous voyez. Et là c'est 12. Donc voilà, c'est à peu près le double. Après ça descend par rapport à notre niveau, mais ouais, c'est assez intéressant de voir ça. Mais ouais, on peut aiguiser des choses, le temps qu'on fasse un peu d'eau et après on va dormir. Et comme j'ai dit, je pense qu'on va tout simplement partir. Donc on reviendra, on va revenir au lac mystère. Table. Alors, on a encore 56 minutes. On a... Donc ouais, on reviendra donc au lac mystère, comme j'ai dit. Au lac mystère, j'aurai deux choses à faire, parce qu'on a deux peaux d'ours. Donc on va faire le... Comment ça s'appelle? Le sac de couchage en peau d'ours, déjà de 1. Ce sera vraiment bien. Et on va faire un deuxième manteau.
On va faire un deuxième manteau en peau d'ours. Parce que du coup on passera de 4 degrés à 6 degrés. Donc voilà. Et on va... ça va être un tout petit peu plus lourd. C'est 5 au lieu de 3. Après quand on le porte c'est un peu moins. C'est pas exactement plus 2 kilos. Ça va être plus 1 kilo quelque chose sûrement. Donc voilà. Donc je pense que ça vaut le coup. 56 minutes. Très bien. Donc je pense que ça vaut le coup, donc on fera ça. Et donc le sac de couchage plus le manteau, donc ça fait 2 fois 30 heures. Donc encore une fois, je ferai une ellipse pour ça, parce que c'est vraiment pas intéressant à regarder. Il faudra aller chasser. La chose qui est bien en fait, c'est que... En fait, dans un sens, on sort en fait de notre expérience mieux parce qu'on a augmenté genre notre archerie et tout ça. Et bientôt on sera donc cuisine 5 aussi. Et ça nous permettra de manger les loups et tout. Donc ça sera vraiment 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 très cool. Mais ouais. En tout cas je suis très content d'être tir à l'arc niveau 4. Hein. Comme ça les arcs durent deux fois plus longtemps. C'est vraiment superbe. Voilà, je voudrais juste finir la pierre. On finit juste la pierre et après on peut dormir. Mais ouais. Donc voilà. Donc les prochains épisodes, donc à partir de maintenant jusque les 2-3 prochains épisodes, ce sera sûrement donc le retour au lac Mystère. Après ça sera... Oh putain, dans 10 minutes, ok. Après ça sera sûrement donc la création du manteau plus. Attendez, je peux faire ça. Ouais, je peux le faire. Du manteau avec le sac de couchage tout en ours. Tout en ours, ça c'est bien. Et après, aventure. Aventure non-stop. Apparemment, je me suis loupé. Ça va être plaisir. Voilà, 26 minutes. C'est long, tu vois. Je pense que je vais utiliser... après, aventure non-stop. Alors, je pense que la... Qu'on va faire en premier... Ça va être les choses les plus intéressantes et puis après on prendra un peu les zones au hasard en fait. La façon dont on les enchaîne, hein, genre les zones côte à côte, adjacentes et on passe de zone à zone. Mais je crois qu'on va se concentrer sur le canyon des cendres, tout simplement parce qu'il y a le sac spécial là-bas. Et je veux aller récupérer ce sac spécial. Honnêtement c'est l'outil le plus intéressant qu'on peut récupérer. Là avec les crampons, mais bon maintenant les crampons on peut les crafter. J'aurais bien voulu qu'ils mettent autre chose aussi, parce que les crampons, c'est un peu con quand même. Alors, on va dormir. Je sais qu'il y a un lit, mais je vois rien. On peut... Enfin, quoi que non, on va dormir en haut, j'ai pas envie de dormir ici. Alors, je sais que, oui, il y a le... L'insomnie, là, si jamais il y a le brouillard qui se lève, mais on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, on va pas rester dans la zone. Donc, on va dormir et on va voir ce qu'on fait pour le lendemain. Alors. Hop. Nickel. Voilà, on n'a pas besoin de dormir 10 heures exactement. Mais bon. Ah, il y a une aurore boréale. Elle a pas dû durer longtemps par contre. Ok. Voilà, très bien. Alors j'ai vu que j'avais beaucoup de charbon sur moi, donc on va virer tout ce charbon. Là les petits charbons pour dessiner. Ça, très bien, on va en prendre 3. Par contre il me faudrait un tiroir ou quelque chose. Parce que je voudrais détruire des choses. Je voudrais détruire ça.
Ah, très bien, les torches on en a. Ah oui, il faudrait peut-être transformer donc les flèches, les bois en fût de flèches. Ça serait peut-être mieux. Donc on a dit que on voudrait prendre le jerrycan. Parce qu'on a déjà des lampes en fait qui sont disponibles au lac Mystère. Donc celle-là elle est pleine, donc ça c'est bien. Les fusées nautiques, là on a quoi? Une fusée normale et deux nautiques. À la limite on peut rester, on peut laisser ça là parce que comme j'ai dit, c'est vraiment un endroit où je suis quasiment sûr qu'on reviendra un jour. Ça on va le prendre aussi. On va peut-être jeter le 40% et le laisser là. Donc 2 fois 100. Les pierres du coup on en a plus besoin parce que j'avais pris des pierres pour me défendre vu que j'avais pas de, j'avais plus d'arc. Au final elles m'ont jamais servi. Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à prendre? Alors les outils simples on va pas les prendre. Le pistolet de détresse, c'est intéressant, c'est marrant, mais ça ne va pas nous servir. Là, on va laisser les bois. Je pense que le jeune érable séché, on va pas le prendre. On va laisser ça là. On a plein de charbon, on a des pots. Le sac de couchage, on va le laisser. Le sac de couchage complètement noir. Avec les fusées nautiques complètement noires aussi. Je sais, c'est le problème de... lumière. On pourrait partir maintenant, honnêtement, parce qu'on est à 37 kilos. Même si on perd le buff, honnêtement, c'est pas trop grave. Je vais peut-être faire un feu à l'extérieur. Pour avoir le buff de la chaleur, là, du réchauffement climatique. Je pense qu'on est bon pour partir, honnêtement. Je pense qu'on est bon. Dernière vérification pour être sûr. Peut-être à la limite, on va laisser 12 allumettes ici. J'aime bien laisser en fait des ressources à différents endroits. Vous savez que je fais souvent ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. On a combien de bois pour les flèches? 5 sur nous, ça va. Là on en laisse 4 par terre, là on a encore un bois pour faire un arc. Et là on laisse un arc qui est déjà à 100% par terre. Donc il n'y aura pas de problème. Vous allez voir que quand ils vont faire la mise à jour, ils vont rajouter des choses ici, on va revenir, il n'y aura plus rien. Je vais péter un câble. Si ça arrive, je vais péter un câble. Ah oui, par contre il y a pas mal de cuir. On va prendre du cuir parce que ça c'est un peu rare. Peut-être pas tout prendre, on peut voir un peu. Ok, très bien, on est à 37 kilos. Là on est à... Ouais. Parce que je pense qu'il va falloir qu'on emprunte des cordes, non? Je me rappelle plus vraiment en fait si on doit emprunter des cordes. Ça risque d'être un problème. Après en l'eau on a quoi? On a 3 kilos d'eau. Ouais. On va voir, on va essayer de maintenir le plus possible notre bonus de... ouais, on doit... Notre bonus de 40 kilos, on va essayer de tenir ça le plus longtemps possible. Je sais pas si on va y arriver. Jusqu'à ce qu'on rentre en fait. Ok. J'avais fait un igloo aussi. Alors, hop. Je crois qu'il faisait assez soleil pour utiliser la loupe. Merde. Quel con. Voilà. Come on, little fire. Quasiment certain qu'on pouvait. On va faire ça. Alors, on va faire des nouveaux. Cela. Ok, très bien. On va prendre des torches un peu sur nous pour nous tenir un peu au chaud
Surtout pour faire une chaîne de torches quand on devra aller dans les tunnels et tout ça. Je pense qu'on est bon, hein. Je pense qu'on peut partir. Je crois qu'on n'oublie rien. On a le principal et on revient avec quelques petites... Honnêtement, vous voyez, c'est pour ça que je dis que cette zone n'est pas extrêmement fun. Parce que on revient mais avec très peu de choses, en fait, au final. C'est vraiment... La bonne chose, c'est les skills, parce qu'on est resté longtemps. Et les compétences, ça a bien augmenté, mais c'est à peu près tout, en fait. C'est à peu près tout. Allez, on y va. Bon, pour repartir, c'est par où? Parce que honnêtement, je me rappelle plus. Là-bas, j'avais trouvé des bois aussi pour faire des flèches. Le vent qui s'arrête direct. Je pense que c'était par là. Ouais, je crois que c'était par là. Vous voyez que... Alors là, c'est vrai que j'ai un manteau en ours de plus. Mais il n'y a que deux flèches vers le bas. Vous voyez, en bas à gauche. Donc il fait pas extrêmement froid. Après, je sais qu'on a une torche et tout ça, mais ça m'arrivait jamais, en fait, là-bas. Même quand je sortais avec la torche, quand on était à la maisonnette, ça m'arrivait jamais. Parce que je suis quasiment certain qu'il fait plus froid là-bas, au fond, en fait, qu'à l'aéroport. Quasiment certain de ça. Donc, c'était vraiment pas fun de sortir. Hein. C'était vraiment, vraiment, vraiment pas fun. Pas grand-chose à faire aux alentours. Il n'y a même pas grand chose à chasser, c'est ça le pire, honnêtement. Il n'y avait quasiment rien à chasser. J'ai survécu en fait tout le long grâce à la viande qu'on a récupérée avec l'élan. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a que à l'aéroport que j'ai pu chasser un cerf, vite fait. Mais bon, c'était pas assez pour tenir. Vu qu'on n'a plus rien maintenant. Ah non. Oh non. Je crois qu'on a un brouillard. Non. J'ai peur qu'il y ait un brouillard qui se lève. Ça va être embêtant. On va voir. C'est un peu le problème de cette zone-là aussi. J'ai eu des brouillards extrêmement souvent. Vraiment, vraiment souvent. Donc ça, honnêtement, ça décourage beaucoup hein, pour l'exploration, évidemment. Ça décourage énormément pour l'exploration. Parce que c'est une très grande zone. Trop grande, honnêtement. Et très froide aussi. Donc du coup, ouais. Mais bon, vous inquiétez pas, pour ceux qui aiment, on y reviendra un jour ou l'autre. C'est juste que là, il n'y a pas... Là, ça y est, là, on a vu ce que la zone pouvait offrir, c'est-à-dire pas grand-chose. On a fait le tour, on est allé voir les différents bâtiments qu'on a vus. Au loin, j'ai vu qu'il nous restait encore des épaves d'avion. J'en ai vu une, en tout cas. Donc c'est pas des, mais j'en ai vu qu'une seule. Je crois que nous, on venait de là. Hein. Ouais, je crois que nous, on venait de là. On voulait aller voir là-bas, mais bon, maintenant, c'est pas vraiment très intéressant. Enfin, quoi qu'on pourrait, j'en sais rien, en fait. Non, non, honnêtement, non, je veux juste rentrer. Je veux juste rentrer pour le moment. Je sais pas si on va... voir. Non, on va pas utiliser une autre... Vous entendez ce bruit? On dirait des... Vous entendez ça? On dirait des bruits de dans la montagne. Genre des choses qui tombent. Intéressant.
C'est bizarre. Mais ouais, comme j'ai dit... Ouais, c'est pas vraiment la zone très intéressante. En tout cas pour le moment. En tout cas pour le moment. Après, plus tard, comme j'ai dit, peut-être qu'elle va devenir extrêmement intéressante. Et du coup, je l'aimerais beaucoup plus. Et ce qu'on va faire aussi, vu qu'on sera sûrement beaucoup plus équipé, beaucoup mieux équipé en fait, quand on reviendra, vu qu'on aura le sac et tout. Et peut-être avec de la chance, genre des choses comme... le thermos ou des trucs comme ça, des nouvelles choses quoi. Ah, du coup on pourra rester plus longtemps à l'extérieur et tout. Donc là ça va être fun, là ça va être très fun, je pense. Mais ouais, pour le moment, je pense qu'on a tout vu. Donc, pas rien de rester. C'est plus de la perte de temps qu'autre chose en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Si on avait strictement rien d'autre à faire, je dirais ok, on peut rester là indéfiniment, limite, ou alors on essaye de dessiner toute la carte, ou des trucs comme ça. Quoi. Mais honnêtement, on a trop de choses à faire. On a trop d'autres choses à faire qui sont nettement plus intéressantes. Donc en premier, ça va être de récupérer notre sac tactique, ou je sais plus comment il l'appelle. Après, tiens, on a des lapins. Après, je voudrais récupérer les vrais crampons aussi. Je pense que ça peut nous aider. On récupère des lapins pour se nourrir, peut-être. On va peut-être faire ça. Après, il paraît qu'il y a quand même qu'il y a des objets uniques qu'on pourrait, qu'on pourrait récupérer. Donc pour nous, ça serait peut-être la lampe. Apparemment, il y aurait une lampe spéciale. Donc on va voir si on peut récupérer un truc comme ça. Je sais pas où elle est. Je sais pas si elle est à un endroit fixe ou alors si elle est, aléatoire en fait. Il est où l'autre lapin? Je sais pas où il est là. Est-ce qu'on avait laissé de la nourriture ici? Je pense pas. Non, je pense pas. Donc voilà. Mais après, il faudrait qu'on aille aussi donc récupérer. Oui, c'est vrai qu'on a un établi ici. Récupérer. Genre. Comment ça s'appelle? Le gilet pare-balles dans la prison. Des choses comme ça, quoi. Comme ça, on a tout. Alors. On va manger un peu de ça parce que on n'a pas trop de calories. On va faire un kilo, très bien. Un kilo de viande. Ça m'embête parce qu'on va craquer une allumette juste pour faire un kilo de viande. C'est pas... On va dire que c'est pas la meilleure des choses. C'est pas la meilleure des choses. C'est pas la meilleure utilité d'une allumette en fait. Ouais, très bien. On va faire ça, on va faire cuire la viande et on va faire un peu de nourriture. Enfin oui, on va faire la nourriture en cuisant la viande. Mais on va faire aussi des boissons, la chaude. Comme ça, on peut continuer à avancer. Perfect. Voilà, très bien. Est-ce qu'on a assez de chaleur? Ou alors on utilise un charbon? On va faire un charbon. Très bien. 30 minutes, on va déposer ça pour faire de l'eau. Ok, on va découper le lapin. Oh, I'm starving.
Je sais, on est en train de faire cuire un lapin. 2 minutes. Ça fait combien? 540 de calories, c'est très bien. Voilà, très bien. On va faire ça. 10 minutes. 8. On va déposer tout ça dans la petite maisonnette là. Risque d'insomnie. Ah mince. Non, c'est pas grave. Est-ce que si on est à l'intérieur, on prend le... On prend le l'insomnie ou pas? Un peu. Je pense pas. Si. Je crois que oui, je suis pas sûr. 2%. Ah ouais 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 non, ça fait de. Ça fait comme s'il y avait une aurore boréale. Sympa. Ah mais on a ça. 6. Ah le truc 001 quoi, j'avais pas vu, je me suis dit mais attends mais j'ai tout cuit. C'est marrant ça. Ouais, ouais, même si on est extérieur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à avancer, nous. On va pas rester là. On n'est pas fatigué. Puis on a vu qu'il y avait quand même pas mal de d'endroits pour se cacher. Bon, par contre, c'est... Par contre, on voit pas grand-chose, donc ça va m'embêter un peu. J'avoue qu'on voit pas grand-chose. Attendez, ça, on va le rejeter. Parti. Je me rappelle plus trop par où il faut passer. Le problème c'est ce brouillard là, c'est vrai que c'est pas vraiment fun. Enfin, honnêtement j'aime beaucoup les effets, j'adore les effets. Je trouve que c'est vraiment bien trouvé. Mais ouais, on voit pas grand chose. Quoi. Enfin, c'est un brouillard. Quoi. Toujours un peu embêtant. Le sol est cool, le sol est vraiment sympa. J'ai hâte en fait. Ça c'est une chose et je suis un peu déçu hein, qu'on l'ait pas encore. Mais j'ai hâte d'avoir la radio là. Apparemment là, quand on aura une aurore boréale ou alors ce brouillard là. La radio va s'activer, tout ça. Donc ça va être vraiment, vraiment cool. Genre de suivre des... De suivre des signaux et tout ça. Ça va être cool. Ça va vraiment être sympa. Mais ouais, non, là, putain, on n'a pas froid. Non, mais je suis quasiment certain, hein, honnêtement. Que la zone a des différents climats en fait dans la région. Je suis quasiment certain. Parce que là on n'a pas vraiment froid. Ou alors c'est juste un coup de bol, ça peut aussi, mais. Ah, j'ai envie de dire que non. Je pense que vers l'aéroport, vers le. Bah quand on regarde la carte, quand on ouvre la carte en fait, vers le bas de la carte, c'est plus chaud que vers le haut de la carte. Je dirais. En théorie, on devrait rentrer plus rapidement. On connaît la zone et tout, donc on n'a pas... On n'a pas vraiment la peur de se retrouver perdu, vous voyez ce que je veux dire? J'adore le sol avec de l'électricité, c'est super. C'est vraiment, vraiment cool.
Mais ouais. Après, je comprends pourquoi aussi il y a un sous-sol dans l'aéroport, là, avec un lit et tout ça. Genre, on peut faire tout au sous-sol. Mais, comme j'ai dit, le sous-sol est trop sombre, en fait. Il est trop complètement noir. Même en plein jour, en fait, on voit strictement rien. Donc, c'est un peu embêtant de devoir aller là-bas. Aller en dessous pour crafter et tout ça. En gros, il faut utiliser une lampe pour arriver au... Tombe pas. Ou comment ça s'appelle, à l'atelier, et puis après une fois que vous êtes à l'atelier vous éteignez la lampe et vous craftez votre truc. En gros c'est ce que j'ai fait, mais bon ça c'est pas très logique parce que en fait vous êtes en train de crafter quelque chose en plein dans le noir total en fait. C'est un peu débile, c'est comme si c'était la pleine nuit, mais bon voilà, c'est pour ça que je suis pas très très fan de cet endroit, je trouve ça un peu bête. Ils auraient dû mettre une lumière et tout. Par contre, quand vous avez une aurore boréale, là, vous voyez tout. Hein. Il y a au moins 6 ou 7 halogènes. Et elles sont toutes allumées en même temps. Genre, elles clignotent même pas, elles restent allumées. C'est super super brillant. Donc, ouais. Quand il y a une aurore boréale, vous voyez tout. Alors, j'imagine que quand il y a ça, là, ce brouillard aussi, c'est pareil. Toutes les lumières s'allument. Mais j'ai pas testé ça encore. Je suis pas allé voir, en fait, au sous-sol. Pendant qu'il y avait le brouillard. Mais ouais, je comprends dans un sens, mais personnellement je trouve que c'est peut-être mal exécuté. Ils auraient dû quand même mettre genre une fenêtre qui mène à l'extérieur. Comme ça on peut voir genre la lumière qui passe à travers la fenêtre ou un truc comme ça. Ça aurait été un peu plus intéressant. Un peu moins embêtant surtout. Pour la zone de l'aéroport. Ce qui est assez bien fait aussi. Ah mince, j'ai oublié de. Ah merde. Oh, trop tard. J'ai oublié de boire l'autre café. Enfin, l'autre thé, pardon. C'est qu'il n'y a aucun moyen de contrer en fait ce brouillard. Même dans les bâtiments. Vous avez vu que même dans les bâtiments, ça augmente. Donc il faut vraiment absolument être au sous-sol en fait. Si on veut pas l'avoir, c'est. Oh mon dieu. C'est le sous-sol ou rien d'autre. C'est tout. Ou alors ne pas être dans la région, j'imagine. Ah tiens, peut-être qu'on va avoir la réponse. Est-ce que le brouillard, il est que dans la zone de l'aéroport, donc celle-là, ou alors c'est aussi dans les autres zones? Ça, je voudrais bien savoir, ça, par contre. Parce que... Ça, je sais pas, en fait. Attendez, on a encore de... Encore des torches, on pourrait refaire un feu ou refaire un thé. Ouais, je peux faire ça. Je peux faire ça. J'aime bien ce qu'elle trottine super vite en fait. Grâce à tous nos bonus de poids là. Là, on est bientôt dans l'autre zone, je m'en rappelle. Plus ou moins. Donc ça, c'est cool. Quand on est à moitié de la barre blanche, là, je vais essayer de faire un feu. Comme ça, on refait chauffer un thé. Ah bah tiens, on a qu'à le refaire là. Très bien. Pratique de faire ça. Très pratique. Il y avait un truc sympa aussi en mode. Alors on est sur le chemin de retour, donc je parle un peu de tout et de rien. Pour passer le temps. Il y avait un mode qui était assez intéressant et les gens le font en fait. C'est... je sais plus exactement la description du mode ou alors comment ça fonctionnait, mais en gros c'est prendre du charbon chaud. Genre des braises chaudes en fait qui sont dans les feux. Vous les mettez dans une sorte de sac et vous les portez avec vous en fait et ça vous tient au chaud. Ça c'était pas mal comme idée, c'est très 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 bien comme idée. J'ai trouvé.
sont tous à 120, oui. De merde. Donc ouais, ça aussi c'est un bon moyen de maintenir la chaleur, je trouvais. Et je crois bien que les gens le font dans certains pays. Mais je sais pas dans quoi ils les mettent en fait, les braises. Il faut que ça reste chaud. Mais faut pas que ça brûle. On peut pas mettre un truc en tissu, j'imagine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ouais, je trouvais vraiment le truc sympa. Donc ça serait vraiment cool si on pouvait faire pareil. Dans le jeu Vanilla. Let's go. Donc ouais, ça c'est, ça serait vraiment vraiment sympa. En fait, tout ce qui permet de tenir un peu la chaleur, tout en utilisant des ressources, parce qu'au final, il faut faire un feu pour faire les braises, etc. C'est pas vraiment quelque chose que vous pouvez faire facilement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous utilisez des ressources, et que vous avez des bonnes récompenses par rapport à ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font des super modes qui sont extrêmement bien balancés, en fait. Ça, je trouvais vraiment ça cool. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de choix dans le jeu normal, en fait. Genre, par exemple, je vais être honnête, je trouve que avoir mis on fait cuire ou pas? Avoir seulement mis attendez, on va faire un feu là. En nouveau craft, je parle. D'avoir seulement mis les crampons. Je trouve ça super nul. Je vais être honnête. Le fait d'avoir simplement mis, pour le moment en tout cas, hein, je sais pas ce qu'ils vont mettre en fait en tout, mais d'avoir seulement mis des crampons à crafter, je trouve ça super nul. J'aurais bien voulu qu'ils mettent d'autres choses. Parce que bon, c'est pas vraiment... C'est, en plus c'est des choses qu'on avait déjà, qui existaient déjà. Ils ont juste fait en sorte qu'on puisse le faire depuis le début, quoi. Come on, little fire. Je sais pas, et en plus je trouve l'objet, les crampons là, je trouve l'objet en fait trop puissant par rapport à ce qu'il faut faire pour le crafter en fait. Je trouve que l'utilité des trucs est vraiment énorme en fait. Et que c'est extrêmement simple à faire en fait. Donc ils auraient pu faire en sorte, je sais pas, de rendre le truc un peu plus difficile ou alors... je sais pas. Je pense que aller les récupérer, c'était quand même plus intéressant. Aller récupérer les crampons, c'était plus intéressant. Donc, il n'y avait pas vraiment besoin de les crafter. Mais bon, après, comme j'ai dit, hein, le fait d'avoir mis des trucs pour crafter, bah, du coup, ils auraient dû mettre autre chose, quoi. Ils auraient dû mettre plein d'autres choses. Pas que ça. Je sais pas, des accessoires, des trucs. Je pense que c'est un peu une opportunité gâchée en fait. Alors après peut-être qu'ils vont rajouter plein de choses. Hein. Mais bon, j'aurais pu rajouter un peu plus de choses déjà dès le début. C'est pas les idées qui manquent, hein. Je vais être honnête, c'est vraiment pas les idées qui manquent. Hein. Le truc tout bête là, comme j'ai dit, par exemple qu'on peut maintenir les braises, ça serait vraiment bien. Très bien. Alors, on a 1,
On a pas besoin d'en faire un deuxième parce que on n'a pas très froid et surtout c'est que je vais l'oublier. Je pense qu'on va laisser le lapin ici. J'ai pas envie d'enlever les boyaux. De toute façon les boyaux, on n'a pas d'endroit pour les mettre. Mais c'est pas vraiment intéressant. Voilà, très bien. Non, quoi le... Ouais, nickel. Une belle torche. Il y a des gens qui parlent aussi d'accessoires sur les armes. J'avoue que je dirais pas non. Ils ont parlé de customisation d'armes, mais bon, apparemment c'est pas encore maintenant. Mais bon, voilà, ça aussi, il faudra voir ce qu'on peut faire. J'espère qu'on pourra faire pas mal de trucs. Genre par exemple sur notre arc, moi je verrais bien... Je sais pas, genre on peut rajouter de la fourrure dessus et ça ferait genre maniement plus ou je sais pas quoi, genre on peut mieux le tenir parce qu'on a le truc tout en peau ou j'en sais rien, ou genre l'équilibrer, et des trucs comme ça quoi, vous savez, des stats à la RPG quoi. Ah, on a eu l'insomnie. Est-ce qu'on a le... Ah, la blague. On a eu l'insomnie juste avant de partir et ici apparemment il n'y a pas l'effet. Je crois. Ouais, je crois qu'il n'y a pas l'effet ici. Alors ça c'est drôle ça. Voilà, la chance. Mais ouais, ou alors même les vêtements en eux-mêmes, on pourrait rajouter plusieurs couches de peau par exemple. Bien sûr, ça les rendrait plus lourds, hein, évidemment. Mais ça serait intéressant. Ah, on a eu l'insomnie, genre, une seconde avant que je change de zone, quoi. C'est le truc débile, quoi. Non, ça, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais voilà. Quand même des choses qui pourraient être un peu améliorées, changées, ajoutées, pour que ça soit un peu plus fun. Alors, on est encore, ça va, on n'est pas très fatigué. Après, ces petites zones-là, là, j'aime bien. Moi. On va pas les fouiller maintenant, honnêtement, parce que comme j'ai dit, je voudrais rentrer et faire tout ce qu'on a à faire. Mais quand on reviendra, on prendra un peu plus de temps. On prendra complètement plus de temps. Et on fouillera un peu de la zone entière en fait. Ah oui, il paraît qu'on aura le... Ah, je sais plus le nom, j'en avais parlé la dernière fois. Mais je sais plus comment ça s'appelle. La chose qu'on tire là, et ça fait comme un sac, et on la traîne par terre, et ça nous permet de transporter du matériel. En théorie, ça aussi, ça devrait venir, mais bon. Je voudrais bien que ça vienne tôt, par contre, vous voyez. Ça, il faut absolument que ça devienne tôt, parce que... S'il nous sort tout plein de trucs dans toutes les nouvelles zones, genre vous savez, la radio et tout, machin. S'il nous sort ça avant qu'il nous sorte le sort de sac là, de traîneau, bah c'est. Je vois pas vraiment le but quoi. Bah, c'est un peu débile. C'est un peu con, au final. C'est maintenant qu'on fait notre aventure, vous voyez?
Et logiquement, c'est à zéro de logique de balancer le truc le plus intéressant, le plus utile pour l'exploration, genre après que tout soit sorti et que tout le monde ait tout vu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'espère vraiment qu'ils sortiront d'ici février. Ça va être cool, ça aussi. Mais bon, j'espère que ça sera bien pensé. J'espère vraiment que ça sera bien pensé. Moi, la peur que j'ai une très grande peur que ça soit extrêmement lourd, en fait, à porter. Et genre, ça réduit notre vitesse, par exemple, de moitié. Et que du coup, en fait, ça soit quasiment impraticable. Parce que en intrus, nous, il fait extrêmement froid dehors. Donc, si ça nous réduit notre vitesse de marche, là, de moitié... Et que du coup on doit rester deux fois plus longtemps à l'extérieur pour aller à un endroit, autant voyager léger et aller plus vite. Parce que à moins 30 dehors, je préfère pas y aller, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je préfère pas y rester. Donc ouais, c'est un peu la peur que j'ai, que ça soit pas encore très très bien pensé, connaissant Interland. Vous savez, c'est encore comme le c'est exactement le même système que les caches avec les cailloux, où il faut 50 cailloux, c'est nettement trop, et il y a zéro utilité au final. Les bonbonnes aussi, pour faire des dessins. Sur le papier, c'est bien, mais la bonbonne en elle-même, elle est trop lourde, en fait, pour justifier son utilité. Moi, j'avoue que dans mes saisons précédentes, j'en gardais toujours une sur moi qui était pleine, et je les utilisais, mais honnêtement, je les utilisais pour juste le kiff de l'utiliser, en fait. C'était pas utile. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment pas utile du tout. Mais voilà, maintenant, là, dans cette saison, je vais les récupérer, je vais les poser, en fait, dans les camps où on reste, en fait. Mais c'est tout. Je vais jamais marquer quoi que ce soit, hein, ça nous sert à rien. À un moment, je voulais le faire dans la nouvelle zone avec l'aéroport et tout, mais c'est trop lourd, en fait. C'est nettement trop lourd pour ce que c'est. Pour l'utilité. Je voudrais bien passer cette série de tunnels parce qu'elle est très très grande. Et après, on s'arrête à un endroit et on dort. Je crois qu'il y a encore un long tunnel, je me rappelle plus. Ou alors ça avait l'air long parce que c'était la première fois qu'on le prenait. Je crois qu'il y en a encore. Hein. Ouais. Mais ouais, j'ai... On va dire que... Comme j'ai dit plusieurs fois, je m'amuse parce que je connais le jeu et tout ça et puis on va vite. Là, c'était beaucoup moins marrant, hein. Le fait de rester au même endroit pendant très longtemps. Honnêtement, je me suis fait chier. J'avais envie de mourir, mais... là, on repart en aventure, donc là, c'est cool, c'est fun pour moi. Mais j'en attends quand même beaucoup, hein. Parce que c'est pas les idées qui manquent, hein. Surtout que beaucoup de mods déjà les aident. Donc ils peuvent tout simplement tirer les idées des mods qui existent, parce qu'il y a plein de mods. Donc ouais. Donc j'espère que ça va être efficace tout ce qu'ils vont nous rajouter. Voilà. Et aussi c'est surtout de penser à ceux qui jouent en intrus, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que des fois ils pensent pas aux gens qui jouent en intrus. Genre déjà qu'on n'a pas les nouveaux fusils et tout ça. Genre donnez des choses qui sont partout en fait. Genre si jamais... Par exemple, vous voyez, il parle de la customisation des armes. En théorie, on devrait pouvoir faire ça. Mais vous savez quoi? J'ai peur que la customisation en fait fonctionne que sur le nouveau fusil. Que sur le nouveau fusil. Et que sur le nouvel arc.
Merde. Tu peux te calmer. Tu peux te calmer. Ne dis pas que je l'ai perdu. Ne me dis pas que je viens de perdre la flèche. J'ai bien tiré sur ce rocher. Je crois que j'ai perdu la flèche. Je crois qu'elle vient de passer à travers le décor. Putain, t'es fou de moi. Ah là là! Ah non, elle a rebondi. Ah, je me suis dit, elle fait beaucoup de bruit en fait pour tomber, mais en fait non, c'est parce qu'elle a rebondi. Enfin bref. Donc ouais. J'ai peur de ça. J'ai peur que ça soit seulement les nouvelles choses en fait qu'on peut customiser. Du coup, au final, moi, je vais me taper la nouveauté sur les fesses, quoi. Il est où ? Donc vous voyez, ça c'est, j'ai une grande peur de ça. Je vais être honnête, je pense que ça sera seulement les nouvelles choses. Qui peuvent être customisées. Je le vois gros comme une maison en fait. Et ça me fait un peu chier. Je vais être honnête, ça me fait pas mal chier. Qu'est-ce qu'on fait? On continue un peu encore? Ah, je sais que ça va faire un long épisode, mais... Attendez. Ah putain, on m'a entendu avec... Trois lapins. What? Perdre la torche. Je sais qu'il y a une grotte là-bas, il y a une grotte. I'm not sure I can carry much more. Il est où ? Je sens qu'on va devoir aller récupérer la torche et faire du feu déjà. Mince, non. Mince. Ouais, c'est mort. Aïe, aïe, aïe. C'était trop loin, je vois pas pourquoi j'ai tiré. Oh là là! Perte de temps. Voilà.
Très bien. Fais pas assez jour, on est d'accord. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Ouais. On va aller dans la grotte, on va faire du feu, on va faire cuire les deux lapins. Hop. J'aime bien ces petites zones comme ça. Genre, pas trop compliqué. Vous savez, il y a des grottes là, ça monte, ça descend un peu, mais pas trop. Et avec des arbres, avec des choses et tout à voir. Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. Mais après, les grandes zones complètement exposées et tout ça, honnêtement, ça m'intéresse pas. Je trouve ça horrible. Des zones à pratiquer qui sont horribles pour moi. C'est plat, c'est vide, vous faites de point A à point B. C'est pas excitant, il n'y a pas de rebondissement, il n'y a rien. J'aime pas du tout ça. Mais les petites zones comme ça, je trouve ça cool. Et puis en plus, il y a du combat assez souvent. Du coup, parce que c'est des petits couloirs, hein, j'ai envie de dire. Donc, dans un sens, ouais, je préfère ça. J'aime bien le combat à l'arc. Donc, du coup, ouais. Du coup, ça marche bien pour moi. On va d'abord faire le feu. Alors, attention, on n'a plus trop de torches. Très bien. Bon, bah, c'était un épisode un peu long, on a beaucoup parlé de tout et de rien, parce que comme j'ai dit, hein, quand on est sur les chemins de retour comme ça, faut combler, hein, faut rendre la vidéo intéressante, donc on discute de ce que pourrait être le jeu, ce qui va être aussi. Voilà, quoi. En plus, j'aime beaucoup parler de choses quand je les ai, quand j'aime bien. Mais ouais, j'avoue que j'ai un peu peur pour l'avenir de... The Long Dark, pas peur dans le sens où le jeu va être mauvais ou quoi que ce soit, j'ai peur que au final on n'est pas assez comparé à ce qu'ils nous ont promis en fait. J'ai un peu peur de ça et que les gens soient très déçus, moi le premier. Nickel. Évidemment, j'ai mis le truc à 2 minutes. Donc, 30 minutes. Nickel. Je crois... Ah si, j'en ai. Non, c'est bon, ça va passer. Ça va passer, très bien. Voilà, 1000 calories. C'est déjà bien. Ouais, on va recycler les lapins. Ah, ça va peut-être brûler, ça. Pas fait attention. Ah non. Top. Quelques torches. Très bien. Avec tout le kérosène qu'on a aussi, on va pouvoir faire plein de torches, hein, à la maison. Des genres des torches à 100%. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. On va recycler ça. Ça nous permet d'augmenter notre carcasse et tout ça. Ça là. Les pots, je sais pas si on va les garder. Si ça prend pas trop de poids, on peut le faire. ok. On est bon. On va dormir. On va dormir le plus. Enfin, une dizaine d'heures. Et puis on repartira tranquille. Ça se passe bien, je suis content. Et puis on a pu un peu discuter et tout ça, c'était cool. Voilà.
On continuera, on sera... Donc on est en route pour... je peux pas vous le montrer. On est en route pour Lac Mystère. Après, est-ce qu'on va... vous savez, on a la zone avec le chemin de fer juste avant Muskegmorn. Est-ce qu'on va rester là? Parce qu'on en a fait... On n'a pas tout fait, en fait. On a fait une petite partie. Honnêtement, je sais pas. Je pense pas. Encore une fois, je pense que je vais vraiment tracer le Lac Mystère pour pouvoir faire notre deuxième manteau en peau d'ours, le sac de couchage... Puis après, hop, directement, on va tracer pour aller récupérer notre super sac. Là. Je crois que c'est le plus intéressant et c'est va être le plus fun à faire. On va avoir plein de zones. Après, est-ce qu'on va zapper les zones? Je pense pas non plus. On va aller... on va faire les zones, en fait, au fur et à mesure qu'on avance, quoi. Je pense que ça va être cool. Allez, à la prochaine. Ah, et quand même. La 10 heures. Ciao.